Rebonjour à toutes et à tous. Là, on souhaite la bienvenue à Nicolas Mayer-Rossignol, président de la métropole de Rouen, maire de Rouen. Bienvenue, cher Patrick Ollier, mais on se suit depuis maintenant bientôt 24 heures. Et bienvenue à Nicolas Bouzou. Pour nous, ce qui est important avec la Chambre des notaires de Paris, mais aussi avec les acteurs de Paris, du Grand Paris, c'est bien sûr que dans chaque sommet, on puisse avoir des débats, mais qui puissent être suivis de propositions concrètes, de projets concrets, des paroles et des actes. C'est l'état d'esprit qu'on a souhaité pour ouvrir cette table ronde sur la relance de l'axe Seine. Ici même, il y a un an, il y avait Anne Hidalgo et Édouard Philippe qui ont beaucoup partagé ici l'ambition de cet axe qui passe par Paris, Rouen et Le Havre. Nous avions les deux maires. Eh bien, cet après-midi, nous avons les deux présidents des métropoles avec notre économiste de choc, Nicolas Bouzou. Excellent débat et excellent après-midi à vous. Merci Jean-Christophe. Vous l'avez rappelé, l'an dernier, à la même période, Anne Hidalgo et Édouard Philippe débattaient ici même sur ce plateau de l'axe Seine. On ne va pas à nouveau citer la phrase de Napoléon que vous connaissez tous par cœur. Alors je voudrais juste dire deux mots de François Sureau, l'avocat qui vient de rentrer à l'Académie française. Dans son livre « L'or du temps », il écrit « La Seine est le fleuve sur le bord duquel j'aurais passé l'essentiel de ma vie. Je me suis aperçu très tard que cette mince coulée grise et verte formait le centre d'un territoire mi-parti, mi-réel, mi-imaginaire, dont je n'avais cessé de vouloir déchiffrer le secret. » Patrick Ollier, la métropole du Grand Paris, est partie prenante de cet axe Seine. Où on en est un an après les premiers discours politiques sur le sujet? Merci pour cette question brutale. D'abord, je tiens à dire à Jean-Christophe que j'étais présent avec Édouard Philippe et Anne Hidalgo et que c'est au pied de cette scène là-bas que nous avons pris l'engagement d'aller plus loin avec Nicolas, qui n'était pas là ce jour-là. Et qu'est-ce que c'est que l'axe Seine? Pour moi, en tout cas, je parle pour moi, c'est une grande ambition qui est la conséquence normale de l'organisation du territoire autour de Paris, la métropole du Grand Paris. Quand on voit la métropole de Rouen, la métropole du Havre, quand vous avez parlé de Napoléon, on peut en reparler, quand on voit l'importance qu'il y a entre l'accès à la mer et la capitale de la France, on comprend ce que représente l'axe Seine. Alors, je ne vais pas être trop long, mais c'est une grande ambition qui doit se construire. Et qui doit se construire dans l'intelligence partagée de tous les partenaires et de tous les acteurs. Et je crois que c'est ce qu'on a l'intention de faire entre nous, en regardant les choses avec modestie, avec humilité. Et je souhaite, moi, personnellement, que tout le long de cette artère vitale, on puisse trouver les principes d'aménagement du territoire, d'organisation du territoire, je dis bien aménagement du territoire, pour que personne ne soit oublié, pour que les thématiques permettent d'associer tous ceux qui sont qui ont des pouvoirs de décision, bien sûr, les EPCI, les villes. Les établissements publics à coopération intercommunale. Merci de m'avoir repris. Tout le long du fleuve jusqu'à Rouen et jusqu'au Havre. Et que cette ambition permette d'aborder des tas de thématiques. Je pense que Nicolas va en parler, mais nous sommes d'accord sur la transition écologique, transition énergétique, les problèmes de la logistique, etc. etc. Et enfin, pour faire tout ça, moi je souhaite, Nicolas, je pense que tu es d'accord aussi, je souhaite que, on parlera de structure après, tu as raison, on parle d'abord des projets, c'est ce que tu as dit l'autre jour et j'apprécie, mais je pense qu'il faut quand même une base d'organisation de réflexion. Et moi j'imagine qu'on puisse avancer vers un pacte de l'axe Seine, un pacte, pas une organisation. Une déclaration d'intention, c'est des objectifs qu'on va se fixer, de telle sorte que tous ceux qui sont autour puissent les partager, y compris les entreprises, y compris les élus, etc., etc. Et qu'on chemine pas à pas vers une organisation qui nous permettra, un, de réaliser des projets, et deux, d'être plus intelligents tous ensemble qu'un peu ignorants séparément. Voilà ce que c'est pour moi l'axe Seine. Nicolas Mayer-Rossignol, avec Édouard Philippe, vous avez posé un premier jalon. Vous avez signé le premier contrat de relance et de transition écologique, les fameux CRTE, à l'échelle de vos deux intercommunalités. Ce qui est exceptionnel dans le sens hors de l'ordinaire. En France, là, vous voulez aller plus loin en faire de la coopération intercommunale en mettant autour de la table la douzaine d'intercommunalités entre l'Île-de-France et la Normandie. Comment ça avance de ce côté-là? D'abord, merci pour votre invitation. Alors, je le dis avec d'autant plus de gratitude.
que vous avez commencé en disant, bon, on ne va pas citer la phrase de Napoléon que tout le monde connaît par cœur, donc je vous ségrerai, pour celles et ceux qui suivent l'actualité rouennaise, de ne pas, volontairement, de ne pas avoir cité Napoléon. Vraiment, c'est, je vous remercie. Et pour ceux qui n'auraient pas compris le trait d'humour, je vous invite à regarder l'actualité sur ce sujet. Effectivement, on avance, et Patrick a raison de rappeler quand même qu'il y a une ambition qui est forte sur ce sujet, mais qui n'est pas, finalement, qui ne date pas d'hier. Il y a une histoire. Plus récemment, il faut toujours rappeler, moi je me souviens de Antoine Ruffnac, Bertrand Delanoë, Laurent Fabius et d'autres encore, qui avaient lancé cette dynamique. On a même eu un contrat de plan interrégional sur le développement de la vallée de Seine, etc. Donc il y avait déjà eu des bases en réalité. Et l'enjeu, c'est d'arriver à la fois de concrétiser au maximum sur des sujets qui soient les plus pertinents, les plus d'intérêt général, je vais y venir en quelques instants, et en même temps de forger un, je ne sais pas quel est le bon terme en latin, mais enfin un affectio societatis de la vallée de Seine. Pour les citoyens, parce que là on parle entre élus, entre décideurs économiques, entre urbanistes. Ah, comment les associer les citoyens ? Alors concrètement, d'abord du concret. Premier sujet du concret, et là je vais le dire, je suis un des rares élus de province ici, pas d'Île-de-France, à être venu pour parler du Grand Paris, je le fais avec beaucoup de fierté, même si j'aurais aimé que dans la petite vidéo de présentation, il y ait quelques images du gros horloge de la cathédrale, et pourquoi pas du musée Malraux du Havre, mais ça viendra sûrement, il faut des preuves d'amour pour constituer un foyer. Je voudrais revenir à quelque chose de très concret qu'on a effectivement fait avec Le Havre. Alors, c'est important parce qu'il faut le savoir, Rouen et Le Havre, pendant longtemps, c'était un peu les frères ennemis, quoi. Là, on est plus proche des sœurs jumelles. C'est quand même mieux. On signe ensemble un contrat. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Il y a des engagements de l'État. On espère qu'ils seront tenus. Il y a des engagements de notre côté. On va essayer de les tenir sur des sujets qui nous sont communs. Parce que, comme beaucoup de vallées industrielles, eh bien, reconstruction d'après-guerre, carbonation, chimie lourde, industrie, automobile, aéronautique, pétrochimie. Aujourd'hui, entre la mondialisation et les enjeux écologiques, évidemment que tout ça n'est pas simple. Quand on est ensemble, c'est quand même plutôt mieux, quoi. Le rassemblement fait la force. Et puis surtout, et ça c'est un élément de vision qui a à la fois des conséquences très concrètes sur le plan économique et des conséquences très concrètes pour nos concitoyens, c'est cette idée que la décarbonation de la vallée de Seine, elle a valeur d'exemple à l'échelle de la France. Ce n'est pas un projet local, c'est un projet national et même européen, puisque c'est la porte d'entrée et de sortie de l'Europe, en réalité, qu'on cherche à constituer ici. Premier port de Paris, aujourd'hui, c'est plutôt Rotterdam. Hein. Donc, si on veut vraiment que ce soit l'axe Seine, bon, il faut de l'investissement, mais c'est aussi... Oui, il y a le grand aussi, plan... Juste pour terminer ma phrase, c'est un projet de décarbonation et aussi un projet qui correspond aux attentes écologiques de nos concitoyens. En d'autres termes, ce n'est pas l'écologie contre l'économie, c'est la décarbonation comme vecteur d'une nouvelle compétitivité d'un territoire. Et ça, c'est formidable. C'est les centaines de millions d'euros débloqués par Jean Castex pour Aropa, le nouvel établissement public qui a fusionné les trois ports. C'est effectivement Aropa avec le 1,4 milliard sur la fusion des ports, effectivement, avec cette fusion décidée à l'époque par Édouard quand il était Premier ministre. Mais c'est aussi ce CRTE et c'est aussi la société d'économie mixte qu'on est en train de constituer avec le Grand Paris, avec les EPCI qui le voudront bien, pour investir dans les projets de production d'énergie renouvelable sur l'axe Seine. C'est aussi les assises du fluvial que Le Havre accueillera en octobre 2022. On a commencé à jeter les bases en mai dernier par une réunion au Havre avec Anne Hidalgo, avec Édouard Philippe, sur comment on peut gagner en compétitivité en utilisant plus le fleuve. Je rappelle toujours ce chiffre qu'il faut que tout le monde ait bien en tête. Sur 100 marchandises sur l'axe Seine qui transite par les ports de Paris, Rouen, Le Havre, 80 par la route, à peu près, hein, 75 si vous voulez, 20 par le fleuve, 5 par le train. Prenez Rotterdam, Anvers, Hambourg, ce n'est pas du tout les mêmes proportions. Et il y a une raison à cela, on a une massification du côté des bateaux, sauf que dans notre hinterland, on est encore, au niveau économique, sur des petits volumes. Donc on n'est pas assez compétitif, mais il y a des problèmes de rupture de charge, mais il y a des problèmes d'infrastructure, donc il faut qu'on mette le paquet, parce qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître qu'aujourd'hui, les ports du Range Nord sont plus compétitifs que nous. Donc c'est vraiment un projet, je dirais, de société qui est au cœur des enjeux de ce siècle. Écologie, emploi, valeur ajoutée, appropriation du territoire par nos concitoyens. Merci. Comment, Nicolas Bouzou, comment l'économiste de Saint-Maur-des-Fossés voit ça ? Merci de l'avoir dit. Non, alors déjà, la mondialisation, c'est avant tout une affaire de bateau. C'est-à-dire que 80% des flux commerciaux dans le monde se font par bateau. Donc la question des fleuves, c'est une question qui est, et la question des ports, c'est une question qui est absolument cruciale. Premier point. Deuxième point, il n'y a pas de démondialisation. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans les chiffres.
Il y a éventuellement une régionalisation de la mondialisation, c'est-à-dire des flux commerciaux qui peut-être se densifient à des échelles locales, mais ce qu'on appelle des échelles locales, ce n'est pas un département, hein, c'est un continent, si vous voulez. Donc il faut là aussi bien avoir en tête que les infrastructures dont on parle, les ports, les fleuves, c'est absolument déterminant ces prochaines années pour la compétitivité de l'économie française. Deuxième point. Troisième point, moi, je suis très sensible à ce que dit le maire de Rouen sur la question de la décarbonation, parce que je pense que c'est très exactement la façon dont on doit aborder en fait, les sujets écologiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire qu'est-ce qu'on fait comme décroissance, etc. C'est pas ça. C'est comment on fait la transformation. Vous voyez, comment on change les modes de circulation, les modes de production, etc. Donc ce sont en fait des questions d'investissement. Il ne s'agit pas de faire moins, il s'agit de faire autrement. Et même d'ailleurs, si on veut embarquer nos concitoyens, il s'agit de faire mieux en réalité. Donc c'est un progrès. Alors, par contre, faire mieux, c'est pas gratuit. Ça a un coût, il faut coordonner les uns et les autres. Ça nécessite de changer les habitudes. C'est un troisième point. Quatrième point. Question de la coordination, je suis très sensible à ce que vous avez dit, à l'exemple que je connais mal, mais au fond de la façon dont Le Havre et Rouen, après peut-être des époques où les villes ont été un peu en concurrence, etc., arrivent sur des projets concrets à se rapprocher. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que partout en France, je vois des villes qui devraient coopérer et qui ne le font pas pour de bêtes raisons historiques. Parfois, il ne faut pas chercher plus loin. Je vous donne un exemple que je connais très bien. Qui s'est installée entre les villes à cause de l'attractivité. Je donne un exemple que je connais très bien. Nancy et Metz, par exemple. Deux villes absolument magnifiques sur un qui ont chacune d'entre elles plein d'atouts sur un territoire. D'ailleurs, un peu comme la Normandie, qui est en pleine transformation économique, parce que c'était des territoires traditionnellement industriels, donc qui ont connu malheureusement la désindustrialisation, mais qui aujourd'hui entrent dans un nouvel âge avec plein d'investissements, des nouveautés, etc., avec des enjeux aussi comme des positions géographiques qui rendent ces territoires extrêmement particuliers en matière de gestion des flux logistiques, par exemple, et très peu de coopération. Alors souvent pour rien, hein. Très peu de coopération, parce que depuis longtemps on ne s'entend pas, parce qu'on est en concurrence, etc. Donc voilà, montrer que ça peut changer, je pense que c'est quelque chose qui est très profitable au reste du pays. Et vous voyez, alors pardonnez-moi de m'autociter, mais quand on a discuté ce matin, d'ailleurs lors de la première table ronde avec le président, en fait, il y a cette idée selon laquelle quand on parle du Grand Paris, en fait, on n'est pas là pour parler que de Paris et de la première couronne. On parle bien de la France, parce que tous les pays ont besoin d'avoir des métropoles qui diffusent de la richesse. Et ce continuum de la Seine, Paris, Rouen, Le Havre, c'est quelque chose dont la France a besoin. C'est vraiment la porte d'entrée, l'une des portes d'entrée du commerce international en France. Et donc, c'est absolument stratégique pour le pays. Patrick Ollier, ça y est, c'est le Grand Paris des projets qui rentre en action. Moi, j'apprécie beaucoup tout ce qui a été dit, parce que l'organisation de la porte de sortie vers la mer Le Havre-Rouen est essentielle. Et ça se passe très bien, et bravo. Au passage, nous aussi, on a un CRTE. Hein. Oui, que vous avez signé avec le préfet Marc Guillaume, qui sera là tout à l'heure. Le gouvernement, à travers le préfet, qui représente 131 villes, et qui effectivement permet d'avoir des projections vers chez vous. Et ce qui m'intéresse à partir de ce qui a été dit, et je n'ai rien à redire ce qui a été dit par Nicolas et les deux Nicolas, mais c'est ce qui entre Paris et Le Havre. Parce que quand on traite de la porte de sortie vers la mer, que l'on rame, c'est le cas de le dire, comme des dingues pour rattraper nos concurrents, Rotterdam, etc., pour faire en sorte de positionner Aeropa, qui est notre port commun maintenant, puisqu'il a été créé et nous y siégeons, c'est bien. Mais on parle de la porte de sortie et on parle de la porte d'entrée. Qu'est-ce qui entre ? Et l'axe Seine, c'est également ce qui entre, c'est-à-dire l'ensemble de cette vie qui existe tout le long de la Seine sur les deux rives, qu'il faut aussi en même temps associer à ce que nous voulons faire, leur faire partager notre ambition pour qu'ils non seulement la partagent, mais nous aident à la réaliser. Et lorsqu'on parle de la logistique, lorsqu'on parle de l'hydrogène, par exemple, on a discuté, on ne va pas rentrer les détails, on a beaucoup de projets et d'idées, tout ne va pas se faire au Havre, tout ne va pas se faire à Rouen, tout ne va pas se faire à Paris, ou dans la métropole de Paris. C'est entre les deux qu'il faut organiser les choses. Donc il faut les associer pour qu'on puisse avoir un ensemble cohérent.
Ça avance bien. Partagé par tout le monde. Oui, ça avance bien, puisqu'avec Nicolas et Anne et Edouard, on s'appelle par nos prénoms, donc tout va bien. On a décidé. Je ne me souviens plus quelle date. C'est au mois de, d'octobre. C'est au mois d'octobre, le 26. On a décidé que le retour de notre grande réunion qui a eu lieu au Havre se ferait à Paris, et que tous ceux qui sont les élus responsables et les responsables de l'économie entre Paris et le Havre seraient associés à cette réunion pour qu'ils écoutent tous ensemble ce qu'on a à dire, et puis que petit à petit, alors je répète, pardon, une sorte de pacte qu'on doit, comme une équipe de rugby, qu'on signera ensemble, on puisse avancer avec des moteurs, forcément, qui sont et la métropole de Paris, et la métropole de Rouen, et la métropole du Havre, mais qui doit entraîner derrière tout cet interland dont on aura besoin. Vous allez dupliquer votre pacte pour une logistique métropolitaine à l'échelle justement de l'axe Seine ? Moi, je voudrais bien, mais le pacte pour la logistique métropolitaine, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faut faire jusqu'à Rouen et au Havre. Donc, c'est un travail qu'on fera ensemble, parce que c'est vrai que nous avons beaucoup avancé. En parenthèse, je le disais ce matin, nous en sommes à l'expérimentation de l'harmonisation des réglementations des villes, pour vous dire qu'on va dans les détails, hein, pour changer les sens interdits, faciliter les stationnements, etc., pour fluidifier et avoir une logistique du dernier kilomètre qui fonctionne mieux. Bon, voilà, nous sommes en train de réfléchir à tout ça, mais bien entendu, avant tout, ce que je voudrais qu'on arrive à faire, c'est avoir des bases logistiques à l'est, à l'ouest de Paris, pardon, donc vers Le Havre et vers Rouen, de telle sorte que cette base, au moins cette base, puisse disposer d'éléments de relais autour de Paris ou dans Paris, avec des centres de logistique et de distribution qui fassent le pendant avec ce qui se passe de l'autre côté de Paris avec le marché d'intérêt national, hein, et que nous puissions avoir enfin quelque chose qui permette à nos amis de Rouen et du Havre de disposer de moyens qui n'existent pas aujourd'hui. Et ça, ils en ont besoin, et nous aussi. Voilà, on réfléchit à ça aussi, comment mettre en place, de manière, avec l'utilisation de véhicules électriques, bien sûr, voilà, tout un ensemble. Donc, on est dans la réflexion de la construction de l'avenir. Je ne sais pas si on va pouvoir tout aborder, mais quand on se rencontre, c'est positif. Et il y a du gaz derrière, il y a des... écologique, bien sûr. Du gaz vert. Il y a du gaz vert, oui. L'hydrogène. Et des idées. Nicolas Maillet-Rossignol, en fait, c'est de l'aménagement du territoire, toute cette question. Oui, absolument. Je voudrais illustrer ce que vous venez de dire sur l'aménagement du territoire, ce qu'a dit Patrick et ce qu'a dit aussi Nicolas sur les exemples de barrières à l'entrée, de difficultés, mais qui en réalité doivent être surmontées si on veut avancer demain pour à la fois booster notre compétitivité, mieux aménager le territoire et créer ce que j'appelais un affectio, je sais pas comment on dit, territorialis, societatis du territoire. Trois exemples qui sont des exemples que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, au Havre, se construit la plus grosse, je crois, en tout cas une des plus grosses usines de fabrication d'éoliennes en mer. Vous connaissez l'histoire maritime, portuaire, industrielle du Havre. Évidemment qu'il y a un enjeu d'emploi très fort. Il a fallu plus de 10 ans entre les premiers appels d'offres et aujourd'hui la construction de cette usine, pour ne pas la nommer, de Siemens Gamesa, ex-Areva, etc. C'est tout un travail qui a suscité beaucoup de débats, hein, et qui en suscite toujours, et qui a motivé et mobilisé beaucoup d'élus locaux, et pas simplement au Havre. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, d'abord, Edouard n'est pas là, il pourrait en parler mieux que moi, mais autour de cette usine, d'abord, il y a tout un écosystème, évidemment, de fournisseurs, de sous-traitants, et donc de centres de formation, de qualification, mais pas simplement au Havre. Savez-vous qu'à Rouen, par exemple, nous avons du côté d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'INSA, qui est bien connue en France, il y a plusieurs sites, dont à Rouen, une équipe qui est là maintenant depuis plusieurs années de recherche sur la question du stockage et de l'intermittence des énergies renouvelables, puisqu'un des sujets sur les énergies éoliennes, c'est ça. Et à travers ce petit exemple, évidemment, il y a beaucoup d'autres exemples dans la région parisienne. C'est la grande question qu'on se posait avec Nicolas Bouzou quand on préparait cette table ronde. En face des 7 milliards d'euros de plan de relance pour l'hydrogène, est-ce qu'il y a les formations et les compétences derrière ? Oui, tout à fait. Il y a l'enjeu de la formation. Mais là, je suis sur l'éolien en mer, hein, donc je ne suis pas sur l'hydrogène. Mais c'est pour illustrer le continuum à l'échelle du territoire. Deuxième exemple concret. On a le droit de citer des noms d'entreprises ? Oui, ce n'est pas bien gênant. Ferrero. Il se trouve que Ferrero France, tout le monde connaît ses produits, a son siège du côté de Rouen, pas loin de Rouen. Bon, Ferrero, pour la première fois, parce que ce n'était pas leur habitude, a lancé une première, ce ne sont pas les seuls, hein,
première barge fluviale pour transporter ses produits jusqu'au port de Gennevilliers pour un de ses clients, en l'occurrence, pour ne pas le citer, si je ne dis pas de bêtises, Monoprix. Bon. Évidemment que ce n'est pas compétitif quand Ferrero tout seul envoie une fois par semaine une barge avec un pauvre conteneur dedans qui se bat en duel jusqu'à Monoprix. En revanche, c'est pour illustrer votre point, si les boîtes se disent, d'où l'importance de se parler, moi je suis ici, je fournis, toi tu es là-bas, tu es client, on va se mutualiser et puis on va regarder ce qu'on peut te renvoyer en retour, parce qu'il y a évidemment des flux retours pour maximiser l'utilisation de la barge, là on peut baisser, je ne dis pas forcément être compétitif tout de suite, mais baisser la barrière à l'entrée et donc créer là encore un écosystème à condition que les acteurs se parlent. Troisième exemple qui n'a rien à voir, la culture. Rouen 2024, alors il y a évidemment 2028, Rouen-Vallée de Seine, de Vernon au Havre, capitale européenne de la culture. Mais là, je ne veux pas mettre nos amis franciliens en difficulté, il y a d'autres projets franciliens. Non, j'avais un autre exemple. On en a parlé hier soir. Qui est peut-être à la fois plus consensuel et peut-être encore plus ambitieux si on regarde sa dimension. 2024, les Jeux Olympiques. Très bien, Paralympiques. Mais c'est aussi les 150 ans de l'impressionnisme. Or, l'impressionnisme est né dans la Vallée de Seine, de Paris au Havre, entre Boudin, Monet, vous connaissez tout ça. Donc là, il y a évidemment quelque chose d'extraordinaire, puisqu'en plus, l'impressionnisme, c'est la peinture du plein air. On voit bien le lien qu'on peut faire avec le sport et le tourisme. À faire vivre, non pas seulement cohabiter, mais à trouver les synergies dans ce que disait Patrick, parce que l'impressionnisme, c'est pas juste, bien sûr, qu'il y a le Havre, Rouen, Paris, mais c'est aussi Vernon, pour prendre un exemple, et Giverny, mais c'est aussi toute une série... Tu as plein d'autres exemples à donner en Île-de-France, tout le long de la Seine, de communes de plus petite taille, mais qui ont évidemment un intérêt à la fois culturel et touristique. Donc c'est comme ça qu'on construit, là encore, un sentiment d'appropriation du territoire, et j'oserais dire de fierté sur ce territoire. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'avec toutes les difficultés de l'après-guerre, de la désindustrialisation, des difficultés liées à la mondialisation, aux fermetures d'usines, etc., vous avez aussi parfois ce sentiment que la vallée de Seine aurait été un peu oubliée, et puis on n'a pas de TGV, et puis. Ça va venir. Oui, enfin, vous êtes optimiste, mais c'est bien, il en faut. Moi, je ne demande pas forcément un TGV pour faire 120 km, ce n'est pas nécessaire, je veux juste des trains à l'heure, ce serait déjà formidable. Dans un pays civilisé, c'est ce qu'on demande en général. Bon, on fera passer le message à SNCF, qu'à voilà, le projet le message est passé, je pense qu'il a été passé plusieurs fois. Mais blague à part, si vous voulez que votre dossier soit en haut de la pile, ben, comme l'a dit Patrick, il faut un pack pour le porter. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une concurrence entre les territoires et qu'il n'y a pas l'argent pour tout le monde. Quand j'étais président de région, le SNIT, le schéma national des infrastructures terrestres, les besoins sur le SNIT, c'était 247 milliards d'euros. L'agence de financement des infrastructures terrestres à l'époque, de mémoire, hein, c'était quelques milliards d'euros de capacité de financement par an. Allez, on multiplie par 20-30 ans parce que c'est le temps des infras. Mais enfin, même 3-4 milliards fois 30, ça ne fait pas 247. Donc évidemment qu'il y a un moment où il y a quelqu'un qui, en général le Premier ministre ou le Président de la République, éteint la lumière dans la pièce et dit « bon, il n'y aura pas de l'argent pour tout le monde ». Donc il faut être au-dessus de la pile. Et pour être au-dessus de la pile, si vous êtes divisé, on vous dit ben, « revenez plus tard ». Donc il y a évidemment un enjeu à la fois d'appropriation citoyenne qui rejoint l'enjeu de mobilisation dans l'intérêt non pas d'un territoire, moi je ne défends pas Rouen en disant ça, quand le Havre va bien, Rouen va bien et réciproquement, et quand Paris va bien, Rouen en profite, toujours, et vice-versa. Par contre, je pense très sincèrement que c'est un projet stratégique à l'échelle européenne et nationale. Nicolas Bouzou. La question en fait derrière ça, l'une des questions derrière ça, c'est comment on fait pour créer de l'activité économique et des emplois en dehors de la métropole. Parce que partout dans le monde, on est dans un contexte qui tient d'ailleurs largement à la nature de l'innovation, à la nature des technologies, où si on laisse faire les choses, la richesse va à la richesse, le savoir va au savoir, la finance va à la finance, etc. Et donc, il faut qu'on arrive à mener des politiques un peu volontaristes si on veut faire en sorte d'avoir une sorte de péréquation économique sur l'ensemble d'un territoire. Et les questions de logistique sont très intéressantes parce que justement, la logistique, par nature, elle diffuse des emplois le long d'un territoire. Et la logistique, c'est une diversité d'emplois qui est mais colossale. La logistique, aujourd'hui, c'est un secteur, les gens ne le savent pas forcément, puisqu'on imagine des entrepôts. Et d'ailleurs, parfois, certains maires sont un peu réticents, d'ailleurs, quand on leur parle de logistique, parce qu'ils se disent, au fond, j'ai une grande commerce de commerce en ligne qui va venir me vendre, entre guillemets, un immense entrepôt dans lequel il y a 4 personnes sous-payées qui vont travailler, et donc, ça va me prendre beaucoup de place. J'ai les verts qui vont râler, et ça ne va pas me rapporter grand-chose. En fait, alors,
peut-être, ça peut exister de temps en temps, mais la logistique, c'est déjà un secteur de très haute technologie. C'est un secteur dans lequel vous avez des développements, par exemple, en matière d'intelligence artificielle, qui sont absolument colossaux. Donc, vous avez les deux. Vous avez vraiment des emplois de terrain, et puis vous avez des emplois qui sont des emplois bien payés, etc. Donc, ça présente vraiment cet intérêt. Mais la logistique, si on veut développer la logistique, exactement ce que vient de dire le maire de Rouen, je trouve ça absolument passionnant, ça nécessite de la coordination interterritoriale. Vous ne pouvez pas faire de la logistique dans une ville. C'est, oui. C'est quelque chose qui n'est c'est pas possible. C'est une réflexion qui se prend à une échelle supérieure pour éviter qu'il y ait des entrepôts qui champignonnent partout. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que l'État ne peut pas le faire. Parce que l'État, évidemment, ne va pas... Il y a, préfet, moi, il y a des préfets. Je suis contre. Alors... L'État central, disons, ne peut pas le faire. Et puis moi, je suis contre, en plus, parce que je ne pense pas que ce soit à l'État de faire de... Je sais qu'on a un peu parfois... On n'a pas fait de développement, on n'a pas fait d'aménagement du territoire pendant longtemps. Et maintenant, juste une espèce de retour de balancier un peu excessif, où parfois, j'ai l'impression qu'on se dit qu'il faudrait un ministre de l'aménagement du territoire qui, dans son bureau, décide très exactement où on veut être les activités économiques en France. Ce n'est pas ça, c'est ni l'un ni l'autre. La question, c'est de savoir comment vous, vous vous mettez d'accord et vous coordonnez pour aller attirer des entreprises, mettre des entrepôts, etc. Et derrière, vous tirez la ficelle, c'est-à-dire que vous avez les questions d'urbanisme qui se posent, parce que les gens qui vont venir travailler dans la logistique, ben, ils veulent de super belles villes, ils veulent qu'elles soient sûres, ils veulent qu'il y ait des pistes cyclables, ils veulent qu'il y ait, etc. Et donc, vous voyez qu'il faut mener une politique d'ensemble qui soit coordonnée. Et donc, les sujets dont on parle, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fond, donc, il vous pousse à vous coordonner et à être meilleur sur... un peu tous les sujets, vous voyez, il faut vraiment être bon partout. Ben, bon courage messieurs, merci à vous trois pour cette table ronde. On va enchaîner tout de suite avec le Big Bang qu'on attend depuis 4 ans à minima dans le Grand Paris. Merci messieurs.